moi je commence le judo à l'âge de 11 ans et c'est ma maman qui décide d'aller m'inscrire au judo parce que j'étais très turbulente à l'école. Je rentrais tout le temps à la maison avec des bleus, des blessures et tout. Et elle, ça ne lui plaisait pas du tout. Et à chaque fois, les parents venaient se plaindre que je frappais les enfants. Du coup, pour essayer de me canaliser, elle a décidé d'aller m'inscrire au judo. Au début, moi, je voulais faire la boxe. Elle m'a dit non, si je fais la boxe, je vais tuer tout le monde à la maison. Parce que j'avais tellement d'énergie. Et du coup, trois mois après mon début de compétition, d'entraînement, juste trois mois après, j'ai fait ma première compétition où j'ai battu toutes les filles qui avaient ceinture noire. Du coup, j'étais contente. J'ai dit, je vais continuer, je lâche rien. Et voilà, voilà comment je commence le judo. Et franchement, ça, pas de regret, ça m'a permis de me canaliser, d'être plus posée. Bon, je pense qu'elle a eu raison d'aller m'inscrire pour faire un sport. Donc, un grand merci à elle parce que si elle n'était pas allée m'inscrire, je ne serais pas la championne que je suis aujourd'hui. Ma marraine, la maman et monsieur Atangana, le père de la championne. Je suis le directeur technique sportif du judo club Pays de Château-Gontier. Je suis arrivé ici en 2011, donc ça fait déjà 10 ans que je suis présent sur le club. Nous avons Vanessa Mbala qui est licenciée au club depuis 2014 et qui va combattre très prochainement, dans 3 semaines, au championnat du monde à Budapest, en Hongrie. Juste après, elle partira sur l'Olympiade, donc sur les Jeux Olympiques de Tokyo, où elle combattra le 31 juillet. Voilà. Donc il nous reste 2 compétitions majeures. Et on va essayer de terminer ce cycle olympique de la meilleure forme possible. Ok, ça redémarre. C'est pas mal. Elle s'entraîne principalement avec des garçons, parce que trouver des filles, surtout en Mayenne ou même au niveau national, de son poids, c'est extrêmement compliqué. Donc elle a l'habitude de s'entraîner avec les garçons et rivaliser avec les garçons. C'est bien ça. Vraiment vigilante sur le coup de jambe. Pas franchi. Garde l'avance, garde l'avance. Accompagne. Fais-le. Je le mets tout le temps celui-là. Je me plais très bien sur Château-Gontier parce qu'ici je m'épanouis bien, j'aide à l'association, j'aide le club à faire des cours avec les bébés judo les 4-5 ans, je fais aussi du taïso. J'ai été formée par Ogric, j'ai eu des diplômes, le CQP, j'ai eu un BPGEPS, donc du coup j'aide l'association à faire des cours comme il se doit. Allez, encore. Sur la musculation, on est sur une fréquence de 2 à 3 fois par semaine. Donc elle est vraiment habituée à faire de la musculation. Là, on était sur des blocs de 4 séries. Donc on est en train de diminuer les charges. Pour exemple, elle était à 40% de ses capacités maximales. Donc c'est relativement peu. Par contre, la compensation, c'est vraiment la vitesse d'exécution. Prends la jambe. Voilà.
Je commence réellement le judo avec mon feu maître qui s'appelle Monsieur Togao Vondormartin, qui est décédé déjà depuis 2016. Parce qu'en 2016, si je te rappelle, oui, j'étais parti exprès au Cameroun juste pour le voir pour que je puisse pour qu'il puisse me donner ses bénédictions et qu'on puisse travailler ensemble une dernière fois pour aller chercher la fameuse médaille d'or que je cherchais tant. Elle vient d'être championne d'Afrique en décembre 2020. Et on a eu deux compétitions préparatoires, le Master qui regroupe les meilleurs mondiaux, où elle termine 5e, donc là c'était au Qatar. Et on a fait une autre compétition en Turquie où elle termine 3e. Donc c'est vraiment de bon augure pour la suite. Et notre objectif commun, c'est d'être médaillé sur les Jeux Olympiques. Parce que c'est sa deuxième expérience olympique. On avait déjà été à Rio 2016, où elle combattait en moins de 78 kg. Donc là, maintenant, vous voyez, elle est passée chez les plus de 78 kg. Et notre quotidien, c'est des entraînements tous les jours qui sont orientés en ce moment sur la vitesse, étant donné qu'on se rapproche de l'échéance. Et on commence à diminuer un petit peu les charges d'entraînement. Mais on reste quand même sur deux entraînements quotidiens à raison d'une heure et demie, deux heures, avec des temps de récupération. Allez, allez. Voilà. C'est ça. Allez, ça. Allez, tout fait bien. Vous voulez faire un truc ici ou pas? Oh purée. Vanessa, donc nous sommes bien sûr tous derrière toi, les adhérents, le club de judo de Château-Gontier, la ville, les élus, le service des sports. Donc on est tous derrière toi pour t'accompagner dans cette jolie aventure, en espérant que tu ailles le plus loin possible et que tu nous ramènes une médaille d'or donc en Mayenne.